Bonjour tout le monde, c'est Redan, j'espère que vous êtes tous super bien, et bienvenue pour un nouvel épisode de Dragon Quest 8, l'Odyssée du Roi Maudit. Souvenez-vous, lors de l'épisode précédent, nous étions arrivés à l'imbirane de Finlam parce que nous sommes arrivés à Picam avec le roi Trod et la princesse Médéa, et le problème c'est qu'on s'est fait chourer notre cheval. Et au fur et à mesure qu'on a remonté le trafic, on a découvert que la personne qui détient Médéa s'appelle Ruby, qui est apparemment une vieille connaissance de Yangus et qui est pas très très content du fait que on la recroise. Il voulait pas la mêler à ça et elle ne veut pas nous donner la princesse Médéa, sauf en échange de la larme de Vénus qui se trouve dans la limbière de Finlam, qui est potentiellement devant nous. Donc un gros coffre comme ça, bon, on sait tous très bien que ça pue, hein. on n'est pas débiles. Donc on va voir un peu comment ça va se passer. On s'est soigné juste avant, on a checké quand même tout ce qu'on avait à faire avant. Et puis c'est parti. C'est parti. Logique. Évidemment. Un boîte à piège. Ok. On va faire un petit barrière magique et un méga protection. Ah merde. Ok. Ça discute. Déjà là, on vient de multiplier notre vitesse par deux. Yongus est toujours plus lent que le monstre. Ah merde. Yongus est toujours plus lent que le monstre. Ah non? Bah non. Bon, on met quand même une troisième fois, on est trop prudent. Ok, pour l'instant on gère. On va faire un petit super flamme. Et un méga super tornade. Je pense que super tornade c'est pas trop mal. On est bon. On est pas mal, ça me plaît. Jessica. Un petit soin partiel sur Jessica, je pense que c'est pas mal. Bien ça. Pas mal là, ce qui se passe. Oh non! Ok, ça me va. Il a du mal, hein. Il veut pas niquer sa défense. On va faire un paralâche. Qui sait, peut-être que sur un malentendu, ça peut se passer. On va faire un autre méga protection. On sait jamais. Non, ça va. Ok, on tient. On est pas mal. Vas-y, fais une attaque. Pas mal. Hey. Dans ta gueule. Non, plutôt ça. Ça, c'est mieux. Ah, puis Angelo qui monte, oh là là, c'était facile. Et on apprend le super kill, inutile, on a le méga kill. Inutile. Le décuplo est là, terminé. On ne touche plus le bâton, et je veux l'arc avec lui. Voilà, j'ai appris le décuplo.
et on récupère la larme de Vénus. Ah ouais. So this is it, eh? The Venus tear. You beauty. You know, Gav, last time I tried to get this stone, I done it for red. Now we're just rivals, I guess. But I actually used to have a bit of a thing for red. Back in them days, she wasn't a scary old bird like she is now. And I was well green. So, I thought I'd get her the Venus tear to impress her like. But I ended up doing myself an injury, and I had to leave it. Never thought I'd end up getting it like this, though. I wonder how it would have all turned out if I had a... Anyway, just me old wounds. Would you mind keeping this to yourself, Gov? Ain't the kind of thing you want going around. Évidemment! On reste entre couilles! Bien sûr, pas de problème. Alors moi je suis quand même intrigué par, par le trou qui s'est ouvert. Je peux me re-soigner? Parfait. De toute façon j'ai toujours les vacs. Parce qu'il y a quand même 3 trésors qu'on n'a pas. D'accord. Et là, il y en avait un. Bah zut alors. Donc il y en a. Donc là, se dire que là, maintenant, il n'y en a plus que un. Un trésor par ici. Ah bon, cependant, il y a quand même 300 pièces d'or. Je suis à 7600. Putain, si je meurs, je perds la moitié. Oh. Mais objectif, ne pas mourir. Objectif, ne pas mourir et objectif, ne pas fuir. C'est un concept. Ah oui, même l'autre côté, vous voulez pas. Bon. Et même le jeu me dit, non, je veux pas. Et bah ok. Pas de problème, j'accepte. J'accepte. Et normalement, l'arc Picam est terminé. Le seul qui nous restera intéressant, c'est ce très cher Maori. Bien entendu. Eh hey, Ruby, on a quelque chose pour toi. Et puis elle est là, la peinard. Alors qu'il y a un bon morceau de viande là qui est là. Mais attends, mais ils ont déjà bouffé. Ah oui. Ah oui. Ils ont déjà bouffé. There, I got it. The Venus tear. Now that is quality. Oh yes, this is the real deal. Now, hand over the awesome cart like you promised. I never promised that. I said I'd think about it when you bought me the goods. And I've thought about it now, and I'm still not giving it back. You can keep the stone. Oi, that ain't what you promised. That's a pretty low trick, Red. I'm surprised at ya. Promises? You want to talk about promises? If I remember rightly, you promised me ages ago you'd bring me that stone. What? That was years ago. You can't dredge up the past like that. Well, you're in no position to argue. I ain't saying it again. The horse stays with me. Yeah, right. I was out of line before, breaking me promise to you and all. I ain't surprised you're act off with me. But this ain't just about me now. I can't leave without the horse. It's for the gov. Look, do what you want with me, but I'm begging you, give the horse back. Hey? Oh. All right, behave, would ya? Stop
groveling about on the floor. Be a man. Well? I thought I'd have a bit of fun with you, but you've lost it. Have the horse. Do what you want with it. But I'll be keeping that Venus tear. That's what we agreed, right? Yeah, fair enough. Thanks, Red, and sorry about everything. Oh, for crying out loud. Pull yourself together. We're done here, right? So go on then. Hop it. Y'a l'ami qui est pas par là ou pas? Nulle part? Oh, c'est triste. Oh, c'est triste. Oh putain, cinématique sur cinématique. Red told me to get the horse out for you before you got here. Looks like she knew you come out with the goods. Ah, she must rate you. Oh dear. What a terrible ordeal you must have been through. I'm so sorry. I won't leave you alone again. I'll never go to the pub like that again. I promise. Cool, blimey! Well, we're ready to leave whenever you are. What's our next destination? How about drawing brains again? Maybe the old geezer will be around to give us some intelligence this time. Let's head back to Pickham. We've got to find out where Dollmakers is. Otherwise, we'll just be wandering around like headless chickens. It would be no hardship to me if I never ever set foot in Pickham again. But I suppose we have no choice. Ok, donc on a récupéré la pouliche. Très bien, ben on va retourner à Pickham. C'est parce que on a comme un point de TP pour le donjon, mais pas pour chez Ruby. D'accord, ok, on fait ça. Si je me souviens bien, c'était par là. Enfin, il faut faire tout le tour. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore, Mori? On n'a pas fait Mori encore. Mori, on n'a pas fait. Il y a encore quelques quêtes qui nous manquent. Hein. Ça, c'est... C'est pas impossible. C'est compliqué, mais c'est pas impossible. Surtout un en particulier. Le roi gluant, là, il m'a... Ouais, il va me trigger, je crois, celui-là. Ah! Donc c'est toi, le fameux savant. Ah, parfait. Bonjour, monsieur. Hello, Brains. Long time no see. Back at last, eh? Well, well, look who it is. You came when I was out, did you, Yangers? I'm sorry I wasn't here. But you're back again. So, if I'm not mistaken, you must be in need of some information. Am I right? Always on the ball, eh, Brains? We're looking for this bloke who looks like a clown. Goes by the name of Dollmakers. He's a slippery customer. Keeps getting away from us. Have you heard anything? Yes, I've heard about him. The criminal responsible for murdering the abbot of Maella Abbey, no less. My sources report seeing him walking over the surface of the sea toward the western continent. The Western Continent? That's a bit hazy, isn't it? Can't you be more specific? Sorry, that's all I know. I wish I could tell you more. Well, if you don't know nothing more, Brains, there ain't nothing more to know. We'll have to go to the Western Continent ourselves. A fine idea. But aren't you forgetting something? How do you intend to cross the sea? Eh? Monster attacks at sea have been significantly worse recently. All crossings from here and from the northern continent have been cancelled. You could go if you had your own ship, but unless I'm misinformed, you don't.
I'd say that will pose quite a problem. Yeah. I don't fault with that. No, I can see that. Well, perhaps I can help you out there with a little snippet of information I heard. Follow the cliffs along the coast to the west from Port Prospect, and you will come to a wide open wasteland. According to what I hear, there's an old abandoned ship there. I don't know why a ship should be in a place devoid of water, but anyway, people say it's a magic ship. If you could get it up and running again, you'd be able to sail anywhere you wanted. You might want to try the path to the west of Port Prospect. It was blocked by a rock slide. But I hear that's been cleared up now. Oups, j'ai mis ce clic. Voilà, parfait. Oh là, je suis enfoncé dans mon fauteuil, je suis bien. Ah, je bouge plus. Ouais, donc là on est bon en fait. On est très très bon. Je vais juste quand même aller à l'abbaye. Me faire quand même le l'armure. Attends, est-ce que c'est toujours le thème de... Ah, cette musique! Ah, je m'en passerai jamais. Ah là là là, c'est fou. Salut! Bon, on va se faire l'armure. Ouais, c'est bon. C'est bon, voilà. Ok, donc ouais, effectivement, c'est... Les gravats ont été enlevés. Donc on peut de nouveau passer. Et là, c'est un nouveau ennemi. Un nouveau ennemi que je connaissais pas. Donc parfait. Normalement, c'est les ouais, des roches explosifs. Donc tout va bien. Quoique, je crois que eux ils ont kamikaze ces petits bâtards. Donc tout va bien, peut-être pas. Peut-être pas. Ok. Ça c'est bon, c'est parfait. Ça me va. Oh, encore un autre ennemi. Viens là, mais c'est lui qui me fuit. Mais viens ici, enfoiré! Incroyable! Oh! Là, il y a du peuple. Un petit super glace sur eux. Et une super tornade! Sur eux? Ah, pas sûr. Ah! C'est le genre de mob qui appelle des potes. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc il va falloir que je m'en débarrasse assez vite. Glace ! Merde, j'ai mis glace, une super glace. Et merde ! Oh, ça a peu de PV. Ça a très peu de PV. Oh, l'humiliation de se faire tuer par Jessica, quoi. L'humiliation. Quelle humiliation. Je suis humilié, humilié. Ok, donc là, on arrive ici. Et là, ce coup-ci, ceux qui me foncent dessus. Vas-y. Nique ta race. Bah vas-y, un super glace, et puis attaque. 29, 15. Ouais, donc ça doit avoir quoi, 50 PV? Ouais, 50 PV. Et un fragment de sel gemme. Oui. Oh, toi je ne t'ai jamais affronté. C'est l'occasion. Ouf. Oh non. Ça, c'est horrible. S'il te plaît, méga kill, fais le taf. Fais le taf. Je t'en supplie.
2, ça me va, ça me va. Ça me va. Deux, ça me va amplement. Deux aussi, ça me va très bien. Très bien. Parfait. Parfait. On peut pas demander mieux. C'est nickel. Je peux difficilement demander mieux. Voyons qu'on arrive ici dans une petite maison. Le petit chien. J'aime bien ce thème-là. Mais non ! C'est pas ça que je voulais, moi. La couronne est coincée, ne bouge pas d'un pouce. D'accord, on fait ça. Vous avez déjà traversé la plaine, il y a quelque chose de vraiment génial là-bas. Et ce vieux bateau, même plus gros que nous quand étions en gluant. Vous avez une drôle de forme, vous êtes bien loin d'être une merveilleuse maillade que nous. Si vous descendez à la montagne, vous trouvez un énorme bateau, mais faites attention. Il y a beaucoup de méchants monstres sur le chemin et nulle part où se reposer quand on arrive en bas. Vu que vous nous avez aidé, je vais peut-être vous dire un petit secret. Si vous mélangez deux bagues d'agilité et quelque chose de très précieux, vous pouvez obtenir un brassard de météore. Je me demande ce que c'est. Peut-être que c'est quelque chose de très précieux. Un bout de ricalque! Putain, tu m'aurais dit un lingot d'or, j'aurais dit oui. Les humains sont plus gentils que ce que je pensais. Merci de nous avoir aidés. Bah, merci de m'avoir donné ça, la couronne de gluant. Parce que je crois que c'est une excellente armure pour Yungus. Ben ouais. Parfait. C'est parfait. Je peux pas demander mieux. Clairement. Et donc là, on arrive... église, auberge, la totale, quoi. Menu de l'auberge. 4 pièces d'or. Oh, mais bien sûr, monsieur. Là, ça me plaît. Là, j'entends des ting 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 ting. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Ouais.
ça me plaît énormément. 1000 médailles ? Évidemment. Juste comme ça, pour le délire, j'en ai combien de cette merde ? Vingt et un. Pourquoi pas. Et donc on arrive ici. Qu'est-ce qu'un truc pareil au milieu de nulle part? Oh, les voyageurs, vous avez vu cette montagne là-bas? Elle a une drôle de forme. Regardez, en louchant un peu, vous verrez comme une énorme montagne en forme de bateau. C'est impossible, mais il y a un bateau aussi loin. C'est vraiment une énigme. Ici, pour trouver un très bon sel gemme, vous savez. Je l'extrais en creusant et puis je la vends pour gagner ma vie. Ah oui. Ah oui. Effectivement, il y a un bateau. Effectivement. Ouais. Donc alors, faut qu'on traverse tout ça. Et ensuite, il faudra qu'on aille là. Qu'on aille là. Non, c'est trop d'un. Et ben, vous savez quoi? Moi, tout ça, je vais le faire en off. Et on se retrouvera devant Trodin pour la prochaine fois. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est le cas, bah, ok, c'est bye. Partage, commentaire et abonnement. Ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas, bien sûr, d'activer la petite cloche. Ça aide énormément la chaîne. Si vous êtes au courant de l'actualité, eh bien, c'est très simple. Il suffit de checker la description pour trouver le lien du Discord et du Twitter de la chaîne. Sur ce, moi, je vous dis donc à la prochaine. C'était Réseau pour servir. À vous les studios. Ciao.